À tous et à toutes et bienvenue, Ah oui, c'est vrai que sur YouTube ça a l'air bizarre, mais bienvenue dans la suite de nos aventures sur Heroes 3. Et donc, voilà, j'ai récupéré le fameux bouclier dragon, qui en fait n'avait rien à voir avec la bulette de mana, puisqu'on pouvait l'avoir autre part, en tout cas dans la map quand elle a été relancée, elle était autre part. Bon, ça, je comprenais pas, mais bref, maintenant nous l'avons. Et donc c'est parti donc pour ce nouveau scénario. Quand même pas grand chose. Hein. Comme d'hab, on va chercher l'argent. On a un autre bouclier, est-ce qu'on en a besoin? Pas forcément, on cherche l'XP. Donc là normalement le dragon devrait faire le café. Large. D'où l'intérêt d'avoir ce dragon au début de game. Ah, ça va permettre de nettoyer rapidement. Journal de guerre. Aujourd'hui, quelques-uns de nos éclaireurs m'ont appris que les troupes d'Hornwald ont assiégé un château à l'ouest. Ils ont laissé un drapeau bleu. Les éclaireurs disent qu'il y a quatre passages menant au château, chacun gardé par des monstres terribles. Ils ne pensent pas que nous ayons été repérés par le grand. Ça, je m'en fous. Ah, on peut récupérer ça. On va faire une de harpie. Comment ça se passe ici? Non. On a la tente. On peut aller taper la souche. C'est l'XP. J'ai pas de murmures. Je pense que les troupes de Hornwald, près d'ici, sont soit un détachement, soit une troupe en faction. Dès que je les aurai éliminés, Hornwald saura que je me trouve dans les cavernes profondes. Je ne suis ici que pour avoir la fiole, mais je ne pense pas que Hornwald me laissera venir la prendre sans opposer de résistance. Attaquer les mains. Mmh. 975 points de dégâts quand même, c'est pas mal. Brasier. Oh, c'est pas taillé. Ah oui merde, j'ai un petit magique avec Vilus. Pistache.
Voilà. S'en sortir. Ok. Très bien. Donc, on va continuer à pousser un petit peu. T'as une citadelle pour le pop. Guide des mages. Alors, si je veux vraiment jouer le pop. On va faire ça. De toute façon, j'aurais pas la ville avant. Un peu d'intérêt. En armurerie, c'est génial. C'est génial. J'aurais préféré un plus 1 d'attaque ou un plus 1 de savoir, mais bon. Avec. Bon, on devrait s'en sortir avec le dragon, il est trépassé. Ça devrait se passer. Donc, t'attaques, ils ont une range complète. Juste le mettre là. Voilà ça, s'il me focus que moi. Sauf qu'il t'attaque, elle est trop glodite, mais après, oui. Bah, comme chez ta mère. Très bien, on a la base. Tout va bien. Il faut en mettre de la forge. On va essayer de rush la ville et Manticore sur ce tour-là. Bon, les diablotins, c'est moins chiant que les... que les nains. On devrait s'en sortir. Le problème c'est qu'il y a trois différentes voies et qu'il va falloir choisir la bonne. Ça c'est pas le plus facile au final. Hein. Ah oui, non mais c'est vrai qu'en plus j'ai le... Ouais, j'ai le portail. Ça c'est parfait. Du coup je pourrais faire un... Je pourrais revenir quand je veux. Et ça c'est top. Ça c'est parfait. J'aurais dû faire lenteur.
Ah, je pensais qu'il avait la distance. Si en fait il l'avait. Petite lenteur, je vais te faire une lenteur. Bon, on en a tué 70 ou 90 tout à l'heure. On devrait s'en sortir. Lenteur qui passe pour tout le monde. Okidoki. Oh, je sais que je devrais pas, mais je vais. Donc 5000, on prend bien évidemment. Ouais. Qu'il y a des choses qu'on pourrait acheter. Une champignonnière. On va faire grossir le mucus. Se croire qu'il n'y a personne et bam, on pop au dernier moment. Regardez, ça va être terrible. Il y avait quand même monté une belle petite, équipe. Hein. Et là, on fait portail retour. Ah, ça peut commencer l'île. Lost Hold. Est-ce que ça vaut le coup, hein? Enfin, je sais pas s'il peut. On va jouer. On va voir s'il a la distance. S'il peut y aller. Curiosité. Si ça fonctionne pas. Ah non, faut pas que je fasse ça. Parce que là. Pardon, si je fais ça, je l'ai dans le barbare. Non, il peut pas. Ok. Hello, my friend. Ça peut être sympa. Comment est-ce que la playa? Ah bah franchement le TP avec la terre en... La terre en full là. C'est quand même top. Hein. Allez, il va se dégager. Hein. Évidemment, la chatte a du vul. Sinon, ça n'a pas de sens. On va continuer. Très bien. Non, ça fait pas de sens à l'instant T.
par contre. On est bien. Full stack. Petite champignonnière améliorée. Ah, excusez. Un petit chat dans la gorge. Ok, donc une fois ça fait. Pour récupérer 2-3 trucs. Bon, de toute façon, maintenant ce sera que de l'upgrade. Par contre, là. Petit route, c'est mort, hein, qui me fasse juste un peu la navette. Hein. Pour récupérer de la troupe, ça peut être pas mal. Aujourd'hui, mes éclairs m'ont rapporté que plus loin à l'ouest, après le château ennemi et le garde-frontière, se trouve une rivière souterraine. Il semble qu'on ne puisse sortir de ces souterrains qu'en passant par la rivière. Le chef des éclairs est persuadé que les armées d'Ordoine sont passées par là il y a environ 6 ou 8 mois. Putain, les mecs, on est un petit peu à l'arrache quand même, non? Mine abandonnée. Cool. Ok, ça c'est chez moi. Et c'est tout. Très bien. Oui, nous désirons attaquer les gardiens. Alors. Ah, mais nique-toi bien, hein, encore. Tu vois, en fait, j'essaie de viser au mieux le cucu. Et à chaque fois, je rate. Mettre en ravitaillement, s'il te plaît. Je suis à 12K. Du soufre. Nous n'avons pas de soufre. Mais si on a un entrepôt. J'ai l'impression que le soufre, on n'en a pas des masses sur ces maps. Malheureusement. Ah non. C'est un peu comme des sœurs. Hein. Quand même pas les tuer. Toi, par contre. Je pense qu'on va faire la capitale de suite. Peut-être pas quand même. Là, on va aller chercher le pognon. On va peut-être pas y aller de suite. On va faire les yeux. Faire les yeux améliorés. Ah, c'est possible qu'en fait, il n'y a vraiment que... Très surprenant, mais intéressant. Ouais, en fait. Il n'y a que le passage bleu ensuite qui reste. Ah ah, si ça se passe comme ça... Ça peut vraiment être top pour moi, quoi. Sauf si j'en arrive à ouvrir la boîte de Pandore ensuite. Mais... sinon, vu comme ça,
là, elle est limitée au niveau combien elle est déjà, putain. Alzheimer. Tarif de séance, j'en suis au scénario 6. Mais ouais, bon, les deux héros, je pense qu'on va peut-être pas les faire. Sans limitation de niveau, pardon. Temps de lire. Donc si elle a pas de limitation de niveau... autant la max au maximum. Ah, je pense que ça va être le plus rentable à faire pour moi, quoi. J'investis en masse. Puisque là, ok, donc on peut aller à Darcebourg. Là, ce qu'on va faire, on va prendre tout ce joli monde. Voilà, comme ça. Ensuite, on va aller à Lost World. Toi, tu vas aller me chercher ça. Si tu l'es là. Et toi? Bon, je me dis que l'argent allait poser souci dans un premier temps. Mes éclairs ont découvert aujourd'hui une prison au long de la rivière. Un sorcier appelé Alamar y est emprisonné. Il est prêt à soutenir quiconque le délivrera. Il dit également qu'il donnera les revenus de son escarcelle de prospérité à son sauveur. Ah, ah bah alors là... Tu m'as convaincu. Donc... Donc là ça va, on peut up un peu tout ce beau monde. Très bien. Donc maintenant le reste. Attends un petit peu. Ou pas, tant qu'à faire. Alors très bien, continuons. Oui, je le veux. La course à l'XP sauvage. J'ai pas récupéré les petits bonshommes que j'avais laissés dedans. Ici.
la confiance. Donc on va attaquer l'Inaga. Pas. C'est une tristesse. Ah si, quand même. En tout cas, il y en a un qui arrive. Crac. Oh, ouais, tu es... Oh. Par contre, le 16 là, il fait plaisir. Par contre, lui, il a certainement. Putain, le 825, vraiment de la merde. Donc, si lui il vient, il va falloir qu'on fasse up quand même un peu. Au moins en stats. Oh, mais par contre, ils veulent me rejoindre à un moment. Faut pas qu'ils hésitent. Hein. Parfait, le dédale à mes doigts. Normalement, il n'a pas la distance. Très bien. Encore une fois, j'ai le nez, comme dirait l'autre. Bah oui, je veux bien. Écoute, on va faire un arrêt ici. Ensuite, on va l'installer. En plus, on double nos points de magie. Parfait. On récupère ce qu'il nous faut. Dommage niveau 2. C'est les cristaux qui manquent. Et on continue le bal. Après, c'est vrai que là, on aurait peut-être pu avoir un pop de cristaux. Attention, très bien. Mec. La chance, hein, beaucoup de chance. On s'est pas perdu. Dark Ball. Allez. J'ai parlé au gardien du château l'autre jour. Après lui avoir remis quelques pièces d'or et l'avoir titillé avec mon épée, il m'a raconté une histoire intéressante. Il y aurait certaines rumeurs sur l'existence d'une nouvelle espèce de dragon appelée dragon féerique. Celle-ci aurait l'âme d'un farfadet et le pouvoir d'un dragon normal. Cela m'a fasciné. J'adore mes dragons noirs et rouges, et je m'entends bien aussi avec ceux qui sont verts et or. Dommage qu'ils vivent sur les terres lumineuses. Je me demande si mes talents me seraient également utiles avec ces dragons fées. Allez, en avant. Ha ha ha.
savoir ce que chariot de charpentier. Si par contre là on peut en faire un deuxième entrepôt. Bien sûr, fouillons les épaves. Ah putain, j'ai encore oublié. Ah non, mais faut que j'y retourne. Ah la con, c'est mort. Vous avez compris quoi. Chaque fois je me fais baiser, c'est deux fois quand même. Bon bah du coup on va attendre le prochain peu quoi. Ah putain. Tout je le sais quoi. Comme si je le disais pas. Ça serait marrant de faire la même connerie. Non je rigole. Bon, je pense que le prochain tour, enfin je peux peut-être même les caler maintenant, c'est 20 qu'il me faut. De pierre à Nick. Bon écoute, ce sera pour le prochain. Donc, on n'oublie pas. Putain, c'est quand même plus de gueule. Quoi. Mais bon, tellement de temps perdu. Certaines ressources semblent rares dans cette partie des souterrains. Je n'ai réussi à localiser aucune mine de cristal ou de joyaux. Je n'ai pas vu non plus de mine de soufre, mais les donjons possèdent au moins des réserves dans leurs silos. Je déteste avoir affaire à des marchands. Je les tuerai bien tous, mais qui ferait jamais du commerce? Tu as raison. Avec les moulins. Ah, je ne connais pas le portail rouge encore. Ah. Dans un accès de bravoure, vous vous infiltrez dans la geôle locale pour libérer le héros qui était prisonnier. Ce dernier jure fidélité à votre cause. Donc c'est toi. Très bien, bah écoute. Welcome. Ouais, ce sera utile. Ah, le dragon. Trois peuples de dragon quand même. Ça va nous donner tout ça. Oh, on est large. 6 de chaque. J'ai envie d'aller chercher le dragon noir.
6 de chaque. Ça coûte cher, Dragon Noir, en final. Mais bon, ils ont la classe. Donc on va lui pardonner. Donc là, ce serait bien d'avoir un pied-à-terre de l'autre côté. Globe des flots. J'hallucine. Sûrement. Ok. Il n'y avait pas trop le choix a priori. Donc là, c'est-à-dire qu'on est safe, en fait. Sauf si, évidemment, à un moment... il y en a un qui décide de se réveiller ou de m'attaquer, quoi. Mais... une fois le premier héros éliminé, on ne rencontre plus personne, quoi. Pas me plaindre, hein. Très bien. Voilà, on a nos petits dragons noirs. Est-ce que ça c'était une bonne idée? Avec le savoir. A priori. Confiance a pas l'air d'être son fort. Bon, on a besoin que de la base. Hein. Pas sûr qu'on ait fait le bon choix. Mec. Donc là, je pense qu'il y a peut-être autre chose de l'autre côté, mais. Nous ne le saurons peut-être jamais. Classique. Il me faut un pied à terre en fait. Hein. C'est la merdasse. Y'a rien. Y'a rien, culé. Ah, si je peux éviter ça quand même pour me remettre un petit coup de morale. Bon bah, de toute façon, perdu pour perdu. La totale.
très bien. Ah. Pardon? Il faut peut-être que j'évite Onward. Bon, j'ai sauvegardé avant. En fait, c'est pour ça. Tout s'explique. Moi, j'ai la tente rouge. J'ai pas besoin d'aller tuer Lord Varn, au final. Tout est clear in my head. Très bien. Ah, il est trop fort. Hein. Là, on l'a tous vu par contre. Il était peut-être un peu trop fort pour nous. Très bien. Très bien, très bien. Donc, alors, on va pas rester plus longtemps ici au final. Aller faire un tour là. Et on a bien fait. Donc, beaucoup de personnes m'attendent a priori. Mais ouais. Aussi costaud, je ne m'y attendais point. Ça a été très violent, hein, je veux dire. Et voilà, je pense qu'on va avoir de quoi le tenir un petit peu en haleine, mais...
11 dragons noirs. Ok, chaud patate pour venir là. Putain, en plus il se TP comme un fumier. Dis donc, t'aurais pas un serpent de cassé de là. Cache-toi. J'ai pensé aux plaines magiques où poussent les arbres et toutes les autres choses de ces terres lumineuses. Je me demande s'il serait possible de reloger quelques dragons verts ou or sur ces terres. Cela serait une sorte de consolation pour ces terres à l'horrible couleur verte. Les plantes devraient être marron et non vertes. Normal. Putain, 300 yeux. Il m'attaque pas. La nique. Je pense que les dragons noirs, peut-être le piquer un peu quand même. C'était qu'un dragon noir. Ah!
Ok. Je pense pas que ce soit le plus judicieux que j'ai fait. Non, on va la recommencer. Je pense que j'aurais dû attaquer. C'est distance que j'aurais dû attaquer. Que j'aurais dû endormir, je veux dire. Je pense. Non bah si le combat commence comme ça, ça va être compliqué. Hein. La compte est mort. D'où il résiste? À quel moment? Ah, il a jamais résisté à un sort.
Ok, là, ça s'annonce bien. Oh, on va peut-être le niquer. Hein. Je suis pas pressé. T'inquiète pas, ça va finir par tomber. Oh, petit bâtard. Bon, ça il contre-attaque comme ça. Oui. Oh putain, la victoire. Oh ouais. Oh, ça c'est bon. Oh, le glaive de juste. Ok, très bien. Et ouais, là c'est quand même pas dégueulasse. Hein. On est à 12 de magie, donc on va pouvoir se taper. Gros combat. Il nous a fait mal celui-là. Ah merde, du coup j'aurais dû aller à Dark machin. Celui-là, on peut dire qu'il nous a bien piqué le fion. Mais la récompense en valait la chandelle, comme dirait l'autre. Que je vais attaquer. Allez go.
train de me dire qu'on s'est bloqué. Parce que j'aurais été déçu quand même. Et là on voit Hordvald qui arrive. Je me demande si le père de tous les dragons aurait pu un jour vivre dans ces souterrains. Voilà qui serait une noble quête, trouver le père des dragons. Il est possible qu'il soit toujours vivant, peut-être endormi depuis des siècles. Ce serait peut-être un projet pour mes vieux jours. Panique. Oui, on peut lancer. Non, toujours pas. On s'obstine à viser toujours. Rien n'y fait. Putain, il était tellement chargé. Qui n'est pas fait le nécessaire avant de partir, mais putain. Là, sûr, je me serais fait déboîter. Hein. Non, c'est pas ici, c'est ici. Non. Voilà. C'était sûr, c'était pour tester. On a beaucoup d'argent. Parfait.
Parfait, on s'est refait une petite force. Je sais pas quelle sera la finalité de cette quête, mais... En tout cas, il y a eu le combat épique. Hein. Que celui-ci était topissime. Il réveilla Evernight. Un petit dodo. Bon, là il y a du tout une truc. Mais... Qu'est-ce qu'il raconte? Enfin! Top. Une poste armure de drague. Oh bah. Combien? 38 d'attaque, c'est pas beau ça. Alors. Ah, des cristaux. Parfait. On a quoi? Une petite menace. Exactement ce qu'on voulait. Ah, du coup, j'ai pas fait le tour ici. Les bons commandants doivent tout prévoir. Ainsi, quoi qu'il arrive, vous êtes sûr de gagner ou du moins de survivre à la défaite. Ulrich n'avait pas compris cela. C'est la raison pour laquelle je l'ai tué si facilement et que je lui ai pris cette terre. Si Ordoal trouve la fiole en premier, je serai peut-être contraint à m'enfuir de Nigon. Lui sucer jusqu'au fond. Ok, là il n'y a plus rien, plus de menace. Donc on peut revenir par là. Tu es là, Alamar. Dis donc, Alamar, espèce de petite prostituée. Ah, tu me fais mon pote. Ah, je suis déçu, Alamar. Alors, est-ce que c'est notre ami Valdemar? Non, mais il est pas mal aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? 6 dragons, 6 rouges, 6 noirs. Enfin. Alors, on peut lui casser le moral tout de suite. On va lui mettre sur... Ah oui, c'est vrai qu'ils sont easy. Bien joué. Thank you.
sûr. On va retourner sur l'implosion. Si t'es bien stuff là. Oh bah écoute, on se renforce. Hein. Sur tout le monde, je pense. Et puis là, j'ai confiance puisque j'ai le TP magique. Donc, en gros, même s'ils veulent faire les fous. Typiquement, lui. Il a l'espoir, quelque part. Recharger un petit peu. Avant de punir le mécréant. Quel dommage. Calculé au poil du cul près. Ça va lui faire plus drôle. Et salut Lustucru. Alors. Dire why not, c'est plutôt bien joué. Mais lol, il s'enfuit. Mia a envoyé un message annonçant que trois puissants seigneurs de Nigon se dirigent vers les frontières. Ils auraient entendu parler de la fiole. Il me sera impossible de vaincre si je me retrouve coincé entre Hornwald et eux, moins que je ne possède la fiole. Cependant, il leur faudra du temps pour venir jusqu'ici. Bim. Vex. Et là, j'ai envie de dire hello, motherfucker. Oh, à chaque fois, je me sens mal. C'est faux, bien sûr. Bim, le dragon amélioré. Et bim, je mets 22 dragons. Ouais, tu crois que t'es bien stuff? Oh, quand même. Mais d'où vous sortez tous, là, bordel?
Ça fait beaucoup la famille. Le fils de pute. Mais quand t'as de la chatte, hein, tu l'as jusqu'au fond. Hein. Bon, n'empêche, j'ai quand même bien fait de... Ah, j'ai déjà plus du truc, mais... Tant qu'à faire...
pas de la triche, hein. La magie. Hein. Eh bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Se reposer un peu avec. Ok. Heureusement qu'on est staff comme des gros vilains. Par contre, il va vite falloir trouver d'où vient ce portail de merde là. Son stuff ici. Ok. Manticore, hein, c'est quand même de la bonne cam. Pas de l'argent perdu. Enregistré lui un petit appât. Hello motherfucker. En plus pour ça quoi. Dégage nuisible. Bon. Choper la... Ça a été tellement... Full, full, full. Et full sentimental. On a soif. Un idéal. Allez, vas-y. Fouette-moi le cul. Bon voilà, sans trop se mentir, je pense qu'on peut parler d'une boucherie qui s'annonce. Bon,
Moi, je suis rarement du genre optimiste, hein, mais là. Bon... Foule quelques-uns plusieurs. Allez, ça n'en parle plus non plus. Là, pareil, tu me calmes. Là, on va lui montrer que 6 contre 19, c'est pas bon. Eh oui, pas facile. Par un ennemi qui débarque. Bon. Ce jeu ou ça fait déjà une semaine qu'il joue. Tu m'étonnes qu'il ait des troupes. Oh. Heureusement qu'on avait ce sort de résurrection de ses morts. D'où encore une fois, hein, je pense que là ça le montre réellement dans ce type de combat. Elle est overstuff. Hein. Donc vous perdez du temps, j'ai envie de dire, sur les scénarios. Mais après quand vous allez commencer à taper comme là du costaud en face, eh ben, vous êtes bien content d'avoir fait d'avoir perdu un peu de temps et d'avoir monté vos tours des mages niveau 5 pour avoir des sorts de machin et des sorts de trucs. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je reste convaincu que c'est l'une, la seule méthode possible pour pouvoir gagner à plus haut niveau sur Heroes. Bon après je pense qu'elle est plus rapide, hein, ça devait être d'aller chercher directement la fiole. Mais... Bon stop d'Orval. Là, et puis rush les villes super vite, quoi. Ah merde, tu vois, je pensais que j'allais me tuer. Ah, ça c'est cadeau. Bon, très bien, donc bleu, on va plus nous casser les couilles. Et ça c'est déjà un grand pas en avant. Alors. Et puis on sera bon. En plus ce sera le jour 7. Quelques éclairs m'ont appris qu'ils ont découvert d'étranges sortes de dragons. Il faudrait que je vois si je peux en recruter quelques-uns lorsque cette campagne sera finie.
Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Un truc pour fendeur le dragon. Ah quoi que j'aurais dû me mettre sur le... Ouf. D'accord. C'est tout, c'est le cristal du Nord. Une foule de dragons fantômes. Bon, maintenant qu'on sait qu'ils sont sensibles à la lenteur. Voilà, on va laisser venir. Donc eux sont insensibles à la magie. J'ai tellement envie de l'insulter quand il fait ça. Tuer des dragons d'or. Ah. On va tuer des dragons rouges. Ok. Ah, c'est peut-être pas sensible les rouges. Quoi je fais de fou. Pas cracher un peu d'expérience. Ici donc. Très bien.
Dragon d'or. Ouais, je pense que je vais refaire un petit coup de... Ça va. Il y en a d'en avoir de moins en moins. Les dragons noirs. Quel enfer. Alors qu'on a au final toujours pas retouché à le 76. Hein. Mais ils ont l'air gentils, ces petites bébêtes. Je les tue, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Dragon corrosif. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, continue. Donc le dernier poste de garde. Les dragons de cristal.
Donc, est-ce que ce serait ça la viale? Ou pas du tout. Pas de limitation. Attention, il y a un entier. Ah bah oui. Notez, vous êtes attaqué. Bon, je pense que ça devrait passer. Mais... comme il l'a dit, j'aurais dû le savoir. Ah oui. Qui m'a bien fait mal. Hein. Ouais, il faut le trouver. Félicitations, vous avez trouvé la fiole de sang de dragon et vous pouvez profiter de votre victoire. Tout le dragon du héros équipé de la fiole reçoit un bonus de plus 5 en attaque et en défense. Yes.